Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, et vraiment aujourd'hui un tour vraiment exceptionnel. Si jamais un jour vous avez une prestation à réaliser en mariage, ou un tour de magie à réaliser à deux amoureux par exemple, ce tour est le tour qu'il vous faut. Il est totalement parfait pour ce genre de situation. Bref, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser avec la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Ah oui, j'oubliais, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour. Alors, idéalement, pour ce tour, c'est de prendre un couple ou lors d'un mariage, vous prenez les mariés et là, c'est parfait pour laisser un bon impact, un bon souvenir aux mariés, c'est le top. Hein. Donc, vous leur demandez, par exemple, aux deux, de vous dire stop. Imaginons du stop ici, ils choisissent les deux cartes. Ici, 8 de carreau, 3 de trèfle, peu importe. Hein. Et de là, vous allez demander au premier marié, par exemple, on va prendre le 8 de carreau, de personnaliser la carte. Alors vraiment, ce qu'on va faire, là j'ai le marqueur, vous lui tendez le marqueur et vous lui demandez de signer la carte. Alors moi je vais écrire par exemple tuto, je vais le faire moi, voilà. Et je mets un cœur par exemple pour la première carte, ici. Voilà. Normalement c'est le marié qui fait ça, hein. Ou la mariée, ou le marié, peu importe. On laisse un peu, comme ça sécher un petit peu, voilà. Et ensuite, on laisse la carte dans le milieu. Alors, on va la mettre plus face en bas. On va la laisser face en bas. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on fait la même chose avec le deuxième. Alors, la deuxième carte, le 3 de trèfle. Alors, de la même façon, on la prend, on la met juste ici. On demande au deuxième marié, au deuxième spectateur, de la même façon de signer la carte pour la personnaliser. Donc ici, moi, je vais mettre, on a fait tuto, je vais faire magie du coup. Magie, on voit pas bien, et je vais mettre deux cœurs, voilà, deux cœurs, on va dire comme ceci, on laisse un peu sécher, hein, bien sûr c'est le spectateur qui fait ça, hein. On laisse sécher vraiment, et on laisse dans le milieu, alors de la même façon, on va la mettre voilà, face en bas, on la laisse face en bas comme ceci, et on coupe le jeu, voilà, parfaitement, qu'on laisse sur la table, et là, regardez bien, les deux spectateurs sont côte à côte, vous claquez des doigts sur le jeu, et les deux cartes perdues dans le milieu, vont se réunir. Alors, si on étale le jeu maintenant et qu'on regarde, on peut voir qu'il y a bien le 8 de carreau et la carte, les deux, hein, le 8 de carreau et le 3 de trèfle, signés les deux, qui se sont rapprochés côte à côte, une face en l'air et une face en bas. Et regardez bien ce qu'on va faire. On va tout simplement prendre donc, nos deux cartes, hein, bien signées, on peut bien voir, hein, elles sont signées, hein, les deux. On va les positionner, les deux, dans le milieu, alors on va les aligner au mieux comme ceci et on demande aux deux spectateurs de pincer les deux angles. Ici, alors je n'ai pas de spectateur, je le fais moi-même, mais normalement c'est eux qui le font. Ils pincèrent très fort comme ceci. Et regardez bien, si on serre très fort et qu'on laisse agir, en claquant des doigts, on peut voir que les deux cartes ont l'air d'avoir fusionné. Et c'est pas que juste une illusion, c'est qu'elles ont réellement fusionné. Les deux cartes signées, on peut voir les signatures, ont tout simplement fusionné et sont unis pour la vie, comme l'amour de nos deux jeunes mariés ou de notre couple réunis. Et là, vous pouvez laisser ceci en souvenir au couple. Il n'y a rien à voir, leurs deux cartes signées se retrouvent maintenant fusionnées. C'est pas magnifique tout ça? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Vous verrez, c'est pas forcément très difficile à réaliser, mais vraiment c'est le genre de tour qui a un très gros impact sur les spectateurs. Et pour le coup, si vous devez faire un tour à un couple, c'est l'idéal. Bref, comme d'habitude, les explications se trouvent dans la description. N'oubliez pas le gros pouce bleu pour me soutenir si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie, www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet, vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tour accompagné de tours expliqués et également ma plateforme de VOD si vous cherchez des tours un peu plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Et ceux désirant aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium sur YouTube, le lien étant dans la description. Ça va vous permettre d'avoir accès à du contenu exclusif en passant par des tours de magie, des vidéos exclusives sur la chaîne, également avoir accès à du contenu tel que des posts et des emojis exclusifs et la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservé aux membres, donc ça accroît les chances de gagner étant donné le nombre de participants qui est réduit. Et vous le verrez, si vous devenez membre premium pour me soutenir, vous aurez une petite icône qui apparaîtra à côté de votre pseudo, qui évolue en fonction de la durée de votre abonnement, et moi ça me permet de voir ceux qui me soutiennent directement dans les commentaires. Bref, cette vidéo prend maintenant fin, j'espère au moins qu'elle vous a plu, et en tout cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.